Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous rejoindre ce midi pour un nouveau live qu'on va passer ensemble. On va passer une heure ensemble à parler de l'aménagement des espaces au service de la facilitation. Et vous allez voir qu'on vous a concocté un petit programme bien sympathique. Avant ça, je vais me présenter. Donc, je m'appelle David Lemel, je suis cofondateur associé du cabinet WorkLab, formateur également facilitateur d'animation, de groupe, etc., de formation, évidemment. Et quelques mots avant de commencer cette présentation du WorkLab. Alors, le WorkLab, c'est un cabinet de conseil spécialisé dans le travail collaboratif. Donc, comme je le disais, on anime régulièrement des ateliers de travail. On donne des formations sur comment animer des réunions fun et efficaces. On est situé principalement à Nantes, mais aussi à Paris et à Nice. Donc, on fait de l'accompagnement qui consiste donc dans la préparation et l'animation d'ateliers collaboratifs. On donne des formations, comme je le disais, sur comment préparer et animer ces temps collectifs, mais aussi sur le design thinking, facilitation graphique, mind mapping, et j'en passe. On a également un média sur lequel on publie régulièrement des contenus sur nos thématiques respectives. Et puis, enfin, un shop en ligne qui propose plutôt des matériels d'animation collaboratifs. Alors, le sujet du jour, c'est, comme je le disais, l'aménagement des espaces au service de la facilitation. Margot, que je vais présenter après, se présenter elle, va parler de la symbolique des espaces, pourquoi c'est important, en quoi l'espace est important pour bien accueillir son groupe. L'utilité aussi de varier les configurations des espaces de travail, elle va y revenir un peu plus longuement, évidemment, dans sa présentation. On ne peut pas couper non plus au distanciel, on le vit tous aujourd'hui, donc comment on intègre cette notion d'espace dans un cadre numérique. Et enfin, les pièges à éviter dans la configuration des espaces. Voilà pour le sujet du jour et donc, je fais monter sur scène Margot. Bonjour Margot. Bonjour, bonjour à tous. Ravi d'être aujourd'hui dans ce live. Alors Margot, en quelques mots, si tu veux et tu peux te présenter. Oui, donc moi je suis formatrice et facilitatrice au WorkLab, ça fait presque 4 ans que j'y suis. Et je suis particulièrement intéressée sur tous les sujets qui concernent la posture du facilitateur, entre autres. Voilà, et on aura l'occasion de reparler de la formation que tu as conçue qui s'appelle « Approfondir sa pratique de la facilitation ». On y reviendra en toute fin de présentation. Je lance le petit jingle du live. Ok, eh bien écoute Margot, je vais te laisser la caméra et la voix pour présenter ce sujet. Super, merci. Est-ce qu'on voit bien la présentation, David ? C'est nickel. Ouais, nickel, super. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis ravie aujourd'hui de pouvoir vous parler d'un sujet qui, en fait, a toute son importance dans la facilitation, qui est l'aménagement des espaces. Donc, comme le citait David, on va voir plusieurs sujets aujourd'hui, à commencer par la symbolique des espaces, pour après insister sur le fait que l'espace dans un temps collaboratif sert avant tout d'accueil. On va voir qu'il existe différentes configurations aussi de travail de groupe dans les espaces et puis quels sont un petit peu les avantages et les inconvénients de chaque configuration. On va parler espace numérique et on va parler de quelques pièges à éviter quand on travaille sur ce sujet. Alors d'abord, la symbolique des espaces, j'aime bien cette citation qui nous dit que l'espace nous parle en fait. Dans sa configuration, il nous invite à une certaine posture, à une certaine façon de travailler, à une certaine façon d'échanger. Et qu'en fait, c'est dès les premiers instants où on entre dans un espace qu'on est un petit peu conditionné par cette atmosphère. Pour reprendre un petit peu, mais sans aller non plus trop dans du détail, de la théorie issue de la psychologie environnementale, j'ai mis des références alors qu'ils sont en anglais en bas de la slide. Grosso modo, pour faire simple, un espace, quand on arrive dans un espace, on est un petit peu submergé, qu'on s'en rende compte ou pas, de stimuli sensoriels.
Il y a les stimuli visuels, ça on y pense un petit peu tout de suite en général, mais il n'y a pas que ça. Il y a les stimuli auditifs, les stimuli tactiles. En fait, on peut aussi être sur les stimuli, tous les autres sens finalement qui nous renvoient des informations directement et en général d'un seul coup, simultanément. Ces stimuli-là vont en fait nous nourrir d'informations qui vont nous permettre de décoder en 2 secondes l'environnement dans lequel on arrive, l'espace dans lequel on arrive. L'espace, selon ces théoriciens, se divise en 3 aspects, l'aspect social, l'aspect esthétique et l'aspect systémique. L'aspect social, ça nous invite en fait à penser au type d'échanges en fait, qui peuvent se faire dans cet espace-là. La dimension esthétique, c'est tout ce qui est en rapport avec l'harmonie qui se dégage de l'espace. Et le côté systémique, c'est au niveau des relations entre les individus et l'environnement. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que de ces stimuli, on va être nourri de toutes ces informations qui vont nous permettre en 2 secondes de décoder l'environnement, qui va nous amener à avoir une réponse émotionnelle et des comportements associés. Alors, pourquoi est-ce que je passe par cette théorie d'emblée dans cette présentation? Bah, c'est parce que il faut vraiment avoir en tête que quand on aménage son espace de travail en tant que facilitateur, avant qu'un groupe arrive, il faut prendre en compte le fait que il y a toutes ces informations-là que vont recevoir vos participants quand ils vont rentrer dans l'espace de créativité, la réunion qui a été aménagée pour le travail collaboratif, etc. Et vous allez voir comment est-ce qu'on peut prendre en compte ces informations-là pour faire en sorte que le groupe se sente accueilli dans les meilleures conditions et qu'il ait le comportement aussi que vous souhaitez au regard des enjeux de votre rencontre. Si on balaye comme ça, pour vous prouver un petit peu ce que je viens de dire, je me suis amusée à récolter quelques photos d'espaces qu'on peut utiliser, qui sont des espaces collaboratifs. Alors, il y a celui-ci. J'espère que vos réunions ne se font pas dans ce genre d'espace, mais tout de suite, il y a une codification qui se met en place. Hein, on voit donc effectivement que ça a trait à l'école. Et tout de suite, ça envoie des informations qui supposent que l'objectif de cet espace, c'est de nous inviter à écouter ce qui va être transmis. De la même manière, un petit peu, on est sur des amphithéâtres, par exemple. Les amphithéâtres, si vous regardez bien, ne sont pas faits pour forcément échanger entre nous. Vous voyez que la configuration n'invite pas à ça et qu'elle invite plutôt à démultiplier l'ouïe. Hein. C'est une configuration qui est faite pour bien entendre et être face à une présentation. On peut avoir aussi ce genre d'espace qui vous est peut-être déjà arrivé d'avoir. Hein. Donc là, tout de suite, on peut être saisi par la lumière qui vient pas du côté, mais qui vient d'au-dessus. Il n'y a pas beaucoup de mobilier. On voit surtout finalement les tables et les chaises. Le fait d'être configuré comme ça aussi en U est assez particulier. Les fameuses salles de réunion assez classiques, là vous voyez tout de suite, ça invite à être attentif aussi à la présentation qui va être faite. Vous voyez que ça n'invite pas forcément à bouger, hein, ça reste plutôt, c'est une grande table qui est au centre qui invite du coup à prendre des notes. Enfin, on est plutôt invité à ça. Là, complètement autre chose, complètement différent. C'est une configuration, j'y reviendrai, de fishbowl. Donc là, on est en cercle. Vous voyez tout de suite que c'est pas du tout le même effet qui est créé. Là, l'objectif, c'est d'écouter une conversation qui se tient au centre. On a des configurations comme celle-là. Vous voyez aussi, c'est pas du tout les mêmes informations qui sont échangées. On est sur quelque chose de peut-être plus convivial. On est sur des assises qui invitent à une intimité, à des petits groupes qui vont discuter entre eux. Voilà, donc ça c'est un petit premier panorama pour vous montrer que la configuration de votre espace forcément nous met dans une posture particulière avec ses stimuli et nous invite à avoir un comportement approprié par rapport à ces informations. Alors, deuxième point du coup par rapport à ça, c'est de se dire, quand on anime un temps collaboratif, comment utiliser l'espace en fait pour que le groupe se sente accueilli? C'est prendre l'espace comme un facteur d'accueil du temps collaboratif. Art of Hosting, si certains connaissent cette branche de la facilitation, insiste sur le fait qu'un facilitateur, c'est un hôte. Et que la facilitation, c'est l'art d'accueillir un groupe pour faire en sorte que des conversations qui comptent émergent. Je vous le fais un petit peu simple, mais c'est un peu ça leur principe de base. Et pour eux, le facilitateur, il est hôte à double titre. D'abord, hôte de soi-même et ensuite hôte du groupe. Souvent, on pense tout de suite hôte du groupe alors que hôte de soi-même, parfois, on peut l'évacuer. Hôte de soi-même, ça veut dire quoi? C'est intéressant de se poser la question de, bah, tiens, comment est-ce que j'ai envie de me sentir dans cette facilitation? Je vais avoir tout ça à mettre en place, à faire. Voilà tous les enjeux pour moi. Qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma facilitation, dans ma préparation, etc. pour me sentir au mieux?
Et ça peut être intéressant dans cette logique-là, notamment de penser à l'espace et de vous dire, bah tiens, comment est-ce que moi, j'aurais envie d'être accueilli dans cet espace? Qu'est-ce que j'ai envie de disposer pour que déjà, moi, je m'y sente bien? Pour moi, c'est la première question avant de penser aux autres. Est-ce que cet espace, je m'y sens bien? Et du coup, d'aménager comme vous pouvez l'espace au mieux pour vous y sentir bien. Alors parfois, on ne peut pas changer beaucoup de choses. On croit en tout cas qu'on ne peut pas changer beaucoup de choses dans les espaces, mais parfois, ça tient à pas grand-chose. Je vous ai mis cette photo qui n'est absolument pas une photo de salle de réunion, mais qui est plutôt un espace que quelqu'un a aménagé pour pouvoir être inspiré. Vous voyez que c'est voilà, quelqu'un qui est en train d'écrire, peut-être un écrivain, enfin voilà, quelqu'un qui aime écrire, et il a disposé des éléments qui peuvent l'accompagner. Donc, vous avez par exemple cette grosse horloge numérique qui peut servir par exemple de timer dans un atelier. Et là, l'idée de vous dire, c'est, tiens, est-ce que... Tout bêtement, avoir un visuel comme ça, un tableau qui vous inspire, une petite plante. Moi, j'y pense aussi à ramener des petites plantes, un truc tout bête, mais pourquoi pas même une plante artificielle si vous ne voulez pas qu'elle s'abîme. Mais quelque chose qui d'abord vous aide à vous dire, ok, je suis un peu plus chez moi en fait dans cet espace-là. Plus vous allez être à l'aise dans votre facilitation et plus vous allez pouvoir accompagner le groupe. Donc déjà, prenez soin de vous. Vous êtes, pour moi, c'est le festateur, quand vous animez, vous êtes la personne la plus importante avant le groupe. Ensuite, on passe hôte du groupe. Alors, c'est intéressant, hôte du groupe, c'est vraiment de se dire, tiens, si j'accueillais vraiment ce groupe comme si c'était chez moi. Vous voyez, quand on invite des gens chez soi pour une soirée, ben, on va faire attention à ce que les gens se sentent bien, on va peut-être un peu ranger, on va disposer les meubles d'une certaine manière, on va préparer un petit peu à manger, à grignoter, à boire, etc. Mais on va mettre un peu de musique, un petit peu d'ambiance, on pense à tout ça chez soi. Comment est-ce qu'on peut aussi penser à tout ça quand on est en facilitation dans des espaces? Et la question qui peut être intéressante aussi, c'est de vous dire, bah tiens, dans quel état d'esprit je veux amener mes participants au regard des enjeux de la rencontre? Ils passent d'un certain état d'esprit à l'extérieur de cette rencontre-là, et au regard de l'objectif final de cette rencontre-là, quelle transition j'ai envie de créer? Et comment l'aménagement de l'espace va pouvoir m'aider à réaliser cette transition de posture des participants. Alors, il y a un petit outil pour ça que j'aime bien utiliser, qui est, certains connaissent peut-être, ça vient du design thinking, qui est la carte d'empathie. Alors, on n'est peut-être pas obligé d'aller sur un canevas aussi approfondi, aussi abouti, mais au moins de vous mettre avant, et d'ailleurs, ça fonctionne quand vous concevez un temps collectif, que ce soit l'aménagement de l'espace ou le déroulé de votre atelier, mettez-vous complètement, mais même émotionnellement, dans la peau de vos participants. Vous pouvez définir des personas types, hein, par exemple. Peut-être que vous allez avoir 3-4 types de participants qui vont être là. Et au regard de qui ils sont, quel état d'esprit ils viennent, comment ils ont entendu parler de l'atelier, etc., quelle est leur sensibilité, ben, vous allez vous plonger dans leur peau et vous allez vous dire, ben, tiens, quelle est la première impression que je veux créer? Quand ils vont rentrer dans cet espace, je veux qu'ils se sentent comment? Et ça peut nous donner des idées, par exemple, d'aménager de cette manière-là, par exemple. Ah, tiens, je veux vraiment quelque chose de cosy, etc. Ça, si c'est pas possible, parce que ça, c'est pas toujours possible dans les espaces même de créativité, etc. En tout cas, moi, ça, par exemple, personnellement, c'est quelque chose qui me parle quand je souhaite accueillir des gens dans un temps collectif. Vous pouvez aménager vos espaces et ça peut donner quelque chose comme ça, par exemple. Ça, c'est une photo qui a été prise par une de nos facilitatrices qui aime beaucoup accueillir les groupes avec un cercle, et puis elle va venir disposer d'ailleurs le temps d'inclusion au centre. Elle a utilisé des images d'Excite qu'elle va venir disposer de cette manière-là. Et là, vous voyez tout de suite, il y a un message qui est envoyé dans cet accueil-là. Ça peut être aussi intéressant, quand vous pensez à tout ça, d'aller chercher du côté des cinq sens. Comment est-ce que dans l'aménagement de l'espace, vous avez pris en compte les cinq sens pour accueillir au mieux votre groupe? Donc, je me suis amusée, on ne va peut-être pas tous les lire, hein, mais vous pourrez y revenir, à identifier en fait sur les différents sens, ben, par exemple la vue, quelle est la première impression visuelle que je veux créer quand les gens entrent dans la salle? Est-ce qu'il y a des rappels visuels particuliers que je veux créer sur les enjeux de la rencontre, je ne sais pas, des cadres de sécurité qui peuvent être rappelés, les règles du jeu, etc. Est-ce que les gens sont tous bien capables de se voir? Ça, dans un espace très grand, ce n'est pas forcément toujours le cas. Est-ce qu'il y a des objets qui me font du bien, qui font du bien au groupe? Est-ce qu'il est facile de voir ce qui est projeté en termes de lumière, par exemple? Moi, si possible, vraiment, j'évite de faire travailler des gens dans des salles aveugles. Ça, c'est quelque chose sur lequel on peut quand même un peu jouer. Les salles aveugles, il n'y a pas de lumière naturelle. Moi, j'évite vraiment.
Par exemple, le toucher. Est-ce qu'il y a du cocooning? Est-ce qu'il y a du confort? Il y a des facilitateurs parfois qui ramènent même des tapis hein, qui vont installer au centre de la salle, par exemple. Est-ce que il y a des assises qui sont variées, etc. Louis, est-ce que le niveau sonore, on est bien? Par exemple, les grands espaces où il y a beaucoup d'écho, ça peut gêner. Est-ce que, par exemple, je ne peux pas accueillir aussi, tiens, en mettant de la musique, pourquoi pas? La musique, tout d'un coup, ça fait partie de l'environnement sonore de l'atelier et je vous assure, c'est assez puissant, le pouvoir que ça crée. Et puis, ça détonne, hein, mettre de la musique à l'accueil. Quand les gens arrivent dans un atelier, ils se disent, ah ouais, c'est différent, en fait. C'est différent de d'habitude. Donc, ça les aide à se mettre dans une autre posture. L'odorat, on peut jouer du coup, est-ce que la salle a été aérée? Alors, il y en a même qui vont jusqu'à mettre des huiles essentielles pour les plus valeureux d'entre eux. Le goût, ça c'est pareil, l'accueil café, disposer de choses à manger. L'idée n'est pas de jouer forcément sur tous ces volets-là, bien sûr, mais d'y penser en fait, sur ces différents aspects-là. Tiens, qu'est-ce que je peux mettre en place sans saturer l'environnement pour mettre mes participants dans une certaine condition? J'aime bien aussi dire, ne sous-estimez pas le pouvoir de l'accueil café. Alors, accueil café, accueil thé, avec des petits trucs à grignoter idéalement. Je sais qu'on est dans un contexte en ce moment qui n'est pas favorable à ça. Mais si vous arrivez d'une manière ou d'une autre à créer un accueil café, un accueil de quelque chose, et quelque chose à boire et à manger, vous ne sous-estimez pas le pouvoir de cet accueil-là. C'est assez incroyable. On peut aussi accueillir tout simplement, par exemple, par de la facilitation visuelle. Créer des petits panneaux à l'image, on avait fait un atelier qui se passait en Normandie, on avait redessiné du coup le territoire de la Normandie, il y a marqué « Bienvenue », enfin tout de suite là, ça participe de l'accueil en fait du groupe. Sur la facilitation visuelle, c'est aussi intéressant de se servir de tout l'espace pour faciliter le travail du groupe. Donc là, je me permets un petit écart sur la facilitation visuelle. Vous voyez sur cette photo-là, quasi tous les murs sont utilisés et ça permet de suivre en fait la progression du groupe. Vous pouvez aussi représenter des choses au sol, investir le sol, comme cette image en bas à droite, pour accueillir le groupe d'une certaine manière et l'inviter à déambuler dans l'espace en fonction des séquences de votre atelier. Et puis bien sûr, voilà les panneaux visuels qui sont utilisés pour donner de la clarté et donc toujours dans cette logique d'accueil. Vous pouvez aussi imaginer, tiens, j'ai envie d'accueillir le groupe, il va y avoir un enjeu particulier, un thème. Est-ce que je pourrais pas mettre un petit peu de sens sur le lieu que je choisis? Par exemple, sur votre droite, là, on avait loué une péniche pour la croisière du changement, qui est un événement organisé par les artisans du changement sur Nantes. On s'était dit, ça va être la croisière du changement et on va faire les ateliers sur une péniche qui a circulé sur la Loire, si je me souviens bien. Vous avez à droite, on a utilisé un bateau pirate qui est un outil du Work Lab et puis quelqu'un s'est amusé, le facilitateur, à mettre un petit bonnet de marin pour aller avec le thème. Tout ça fait partie des outils utilisés pour accueillir au mieux les participants dans l'espace. Troisième volet de ce live, j'espère ne pas aller trop vite pour vous, donc n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. David est notre chatmaster aujourd'hui, et on y répondra à la fin du live, n'hésitez vraiment pas. Donc troisième aspect de l'aménagement des espaces pour vraiment faciliter votre atelier, c'est de ne pas hésiter à varier les configurations dans l'espace. Les configurations, c'est comment je rassemble les gens en fait, dans l'espace pour stimuler les échanges, au lieu d'avoir peut-être juste le truc classique de « on est en plénière du début à la fin » ou éventuellement en sous-groupe. Vous allez voir qu'il y a plein d'autres configurations qui existent et qui ont des avantages, des inconvénients différents. Donc, varier les configurations, ça sert à quoi? Ça sert à surprendre vos participants, ça sert à renforcer leur concentration. Passer d'une configuration à l'autre, vous mobilisez notamment le corps, vous les surprenez, ça invite à respirer et à rester réveillé et concentré dans l'atelier. C'est pour ça, nous, que par exemple, sur des séminaires, des ateliers qui peuvent durer 2 jours, on ne va pas arrêter de faire varier les configurations de travail. Ça permet aussi, vous allez le voir, de s'adapter aux enjeux des séquences, en fait, en fonction de ce que vous voulez faire produire, de quelle posture vous souhaitez avoir chez les participants, vous allez pouvoir faire varier les configurations de travail. Alors, premier type de configuration, nous, qu'on aime bien faire au Work Lab, c'est de ne pas hésiter à faire appel au binôme-trinôme. Alors, binôme-trinôme, c'est assez semblable, on va dire, dans la logique. Simplement, la différence, c'est que le trinôme, vous pouvez, à certains moments, demander à une des trois personnes d'avoir une posture méta, une posture en écoute qui ne va pas forcément participer aux échanges et qui va pouvoir donner son point de vue sur les échanges du binôme. Et puis après, pourquoi pas tourner. L'avantage du coup du binôme-trinôme, alors l'idée c'est pas de rester tout le temps binôme-trinôme dans un atelier, sinon on parallélise les binômes-trinômes et en fait le groupe se réunit pas,
mais c'est d'avoir un premier temps. Alors, pourquoi pas un premier temps seul en réflexion individuelle. Ensuite, un deuxième temps où on va venir partager en binôme trinôme. Et ensuite, il va y avoir un porteur du binôme trinôme qui va venir restituer la synthèse des échanges du binôme trinôme en plénière. Et, ou même d'ailleurs en moitié de groupe. Et puis après, pourquoi pas en plénière. Vous voyez, vous pouvez faire varier ces configurations. Alors, l'intérêt de faire appel à un binôme trinôme, il y en a plusieurs. D'abord, c'est une configuration qui invite à l'intimité, à la relation de confiance. Donc, parfois, quand vous sentez que vos participants ne sont pas à l'aise avec le fait de traiter des sujets comme ça en plénière, vous pouvez passer par cette configuration avant qu'il y ait une synthèse faite par les porteurs en plénière. Ça invite un petit peu à libérer la parole. Ça invite aussi à fluidifier les étapes de convergence, parce qu'en fait, vous allez créer à chaque fois différents niveaux de convergence. Le binôme se réunit, ils font une convergence entre eux, c'est-à-dire une synthèse, qui vont venir peut-être présenter un autre niveau qui va faire une synthèse, qui va venir présenter en plénière. Au lieu d'avoir, par exemple, la plénière qui va venir partir en divergence dans tous les sens, et puis après, il faut faire une convergence commune de toute cette production, là, vous y allez étape par étape, et donc ça aide à donner de la visibilité parfois avec ces différentes étapes de convergence. C'est aussi intéressant, alors ça, c'est des cas particuliers, mais nous, on l'utilise quand même dans ces cas-là, d'utiliser cette configuration quand vous avez des publics, j'appelle ça à besoin, donc par exemple où il y a différentes formes de handicap, ou par exemple même quand il y a des difficultés à écrire, là du coup vous avez l'autre binôme ou l'autre personne du trinôme qui va pouvoir écrire pour les autres, vous avez voilà, tout ce qui est handicap visuel, handicap auditif, ça aide aussi dans ces moments-là. Alors l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas d'exhaustivité des échanges puisque vous allez avoir ces différents niveaux de convergence et que parfois les personnalités fortes peuvent prendre l'ascendant au sein de ces binômes trinômes et enfin que le facilitateur, en tant que facilitateur, vous allez du coup être à ce moment-là dans une écoute volante, mais pas forcément pouvoir faciliter avec autant de prise entre guillemets sur le groupe que si vous étiez en plénière. Donc, je vais faire comme ça, hein, sur les différentes configurations de travail, je vais vous montrer à quoi ça sert et avantages, inconvénients, parce qu'il y en a finalement dans chaque configuration. Deuxième configuration qu'on aime utiliser au WorkLab, c'est le canevas, c'est-à-dire travailler sur un canevas collectif et de le mettre au mur, en respectant bien sûr la taille de groupe idéale, hein, ça dans tous les cas, qui est à peu près entre 4 et 8 participants. Ça, c'est une taille de groupe idéale, là, on a 4 participants. Alors, quel est l'avantage du fait de travailler au mur ? Avec des canevas collectifs. D'abord, ça facilite la prise de recul collective du groupe. Ils peuvent littéralement prendre du recul en se mettant devant, et ça aide en fait à ne pas rester le nez collé dans les idées et donc à prendre du recul sur les idées. Ça rend aussi visible l'avancée progressive du groupe au fur et à mesure de l'atelier, puisqu'en fait, on va venir, comme vous l'avez vu dans l'exemple précédent sur la festation graphique, vous pouvez coller sur tous les murs ces canevas-là, et du coup, d'un regard, en fait, on arrive à voir la progression. Là, du coup, si vous travaillez par exemple avec des post-it comme c'est là sur la photo, il faut bien écrire gros pour que ce soit vu de loin, sinon on ne peut pas faire cette prise de recul. Ça permet aussi de faire se lever les participants pour aller coller leurs idées ou de rester debout, donc ce qui permet d'être engagé. Nous, on aime bien au WorkLab que les gens se lèvent pour coller leurs idées parce que ça engage et puis ça réveille le fait d'être debout. L'inconvénient, alors, c'est qu'il faut quand même de la place dans l'espace pour ça, donc de la place sur les murs et puis de la place autour du canevas. Si vous avez une énorme table, comme une des photos montrées au démarrage du live, une grande table de réunion avec, je caricature, mais c'est souvent ça quand même, 50 cm entre la table et le mur et que vous avez votre canevas, ça peut se faire, mais c'est dommage. Et autre inconvénient, c'est que, donc ça dépend ce que vous voulez créer, hein, c'est-à-dire que là, vous voyez la photo, ben souvent c'est ça qui se passe, c'est que les participants se regardent moins et vont être plus concentrés sur la production. Ce qui peut parfois aider, hein, quand vous avez des gens qui ont du mal à se regarder, ça peut fluidifier les échanges, de parler du canevas, parler des post-it et moins se regarder entre nous. Ça dépend vraiment votre public et vos enjeux. Autre configuration, travail sur table. Donc là, c'est une photo qui vient d'un World Café. Donc comme vous voyez, il n'y a pas besoin de mur, ça c'est l'avantage. Donc on peut avoir des grands espaces avec plein de tables. On n'a pas forcément besoin d'avoir un mur à côté, on travaille sur la table. Ça permet aussi de travailler en cercle. Donc là, vous voyez sur la photo, les gens se regardent. Donc il y a cet intérêt-là. Et le groupe reste assis avec quelque chose, il y a un genre d'intimité finalement. L'inconvénient principal qui nous fait que parfois on va moins utiliser cette configuration-là, qu'on l'évite en fait si possible, c'est que vous voyez sur la photo, d'ailleurs c'est bien représenté, il y a du coup
un sens de lecture de la production. Alors, une façon d'y contrer, c'est que par exemple, vous proposez des post-it aux participants et ils peuvent tous noter leurs idées, mais néanmoins, ça reste que chaque post-it va être lu dans un sens particulier. Et ce qu'on observe, c'est que du coup, là, en l'occurrence sur cette photo, on peut imaginer que les gens qui sont sous l'appareil photo, là, vous simulez quelques têtes, peuvent décrocher davantage parce que ça va leur demander d'être très attentifs sur ce qui se dit à l'oral, mais en même temps, il y a une concentration qui est faite sur l'écrit et donc ils peuvent décrocher. En cercle, alors ça c'est aussi quelque chose qu'on aime bien au WorkLab, particulièrement d'ailleurs en clôture et en ouverture et en clôture d'atelier. Alors le cercle, il y a beaucoup d'écrits d'ailleurs, hein, si ça vous intéresse ce sujet-là, qui ont été faits, alors plutôt en anglais, mais je me demande s'il n'y en a pas en français, sur le pouvoir du cercle. Qu'est-ce que ça crée d'un point de vue énergétique? Qu'est-ce que ça crée dans un groupe? Donc le cercle, en fait, ça invite vraiment, ça renforce une cohésion de groupe, ça renforce l'écoute. Vous voyez là sur les photos, notamment la première à gauche, vous voyez que les gens se regardent. Il n'y a rien entre nous, il n'y a rien qui nous sépare, il n'y a pas de table qui nous sépare. Et ça, en fait, ça invite au consensus, ça invite au cadre de confiance. C'est pour ça que, par exemple, au démarrage d'un atelier, on aime bien faire ça parce que on va pouvoir créer un cadre de sécurité entre nous, littéralement, et de se présenter dans cet espace, c'est intéressant. Vous avez du coup, je vous ai mis en bas à droite le fishbowl. Alors le fishbowl utilise complètement les ressorts du cercle. Le principe en fait, c'est qu'on peut être même à 70 et il va vouloir recréer l'intimité du petit cercle d'échange. Donc vous voyez sur la photo, il y a trois personnes qui échangent, d'habitude il y a cinq chaises qu'on dispose au centre. D'ailleurs, le facilitateur a marqué l'espace avec un tapis persan au centre pour vraiment favoriser l'accueil. Et la polarité de l'attention qui est au centre de tous ces cercles-là. Et ensuite, vous avez deux cercles concentriques à l'extérieur. Le principe du fishbowl, c'est qu'on va poser une question et il va y avoir, si on a cinq chaises, quatre chaises qui vont... On va demander à quatre participants de s'asseoir sur les chaises et il va rester une chaise libre, la cinquième. Les participants vont commencer à échanger entre eux. Donc là, c'est vraiment un petit groupe. Hein, il y a une histoire d'intimité entre eux avec le cercle. Les autres, à l'extérieur, écoutent et ont un canevas pour eux, pour prendre des notes sur ce qu'ils observent. À tout moment, quelqu'un du cercle, des cercles extérieurs, peut venir s'asseoir sur la cinquième chaise et demander, du coup, ça suppose qu'une autre personne du petit cercle s'en aille à l'extérieur pour toujours laisser une chaise libre. Et comme ça, vous voyez qu'on peut échanger aussi longtemps qu'on veut. Dans cette configuration, d'ailleurs, on invite le facilitateur à pas trop prendre d'ascendant sur le groupe, à le laisser un maximum intervenir tout seul et vraiment intervenir quand c'est nécessaire. Alors, l'inconvénient du cercle, parce qu'il en existe, c'est que ça demande de la place. Donc, quand vous avez les salles de réunion avec une grosse table au centre qui peut pas être bougée, bah, c'est vachement compliqué de le faire. Ça limite aussi le débat, vu que ça invite au consensus, parfois à la prise de paroles divergentes entre les participants, ça peut limiter. Sauf si, nous on a une astuce, c'est que vous pouvez marquer le centre du cercle. Comme on peut dissimuler sur d'ailleurs la photo en haut à gauche, vous mettez un centre au cercle, vous mettez un centre dans le cercle en fait, et vous dites, ben voilà, je donne ma parole au centre du cercle. Parfois, ça peut inviter à se positionner différemment par rapport aux autres. Et le cercle peut aussi, parfois, gêner les plus timides. Si notamment ce cadre de cercle n'est pas amené en douceur, avec un cadre de sécurité. Du coup, préférez peut-être les configurations où il y a une table qui va peut-être moins gêner les timides. Mais en général, quand c'est bien amené, même les plus timides finissent progressivement par se mettre dans l'ambiance du cercle. Autre configuration, alors celle-là, on n'y pense pas souvent, faire appel au corps et mettre les corps en mouvement. Alors vous avez, par exemple, en haut à droite, la marche. Vraiment, ça, c'est assez balèze comme configuration. L'inconvénient, en général, c'est qu'on ne peut pas le faire à très, très nombreux. Mais il y a notamment Steve Jobs qui avait fait connaître hein, ce walking meeting. La plupart de ses réunions, il les faisait en marchant dans la Silicon Valley. Là, je ne vais pas vous démontrer, parce que j'imagine que vous le vivez en temps de confinement, l'importance de la marche, en fait, pour clarifier la tête. Et c'est assez puissant, en fait, dans des collectifs. Si vous avez ce luxe-là, n'hésitez pas à faire des ateliers en nature, dans la nature. Il y a même des coachs, hein, j'en connais, qui organisent des coachings individuels ou collectifs dans la marche, dans la nature. C'est assez puissant. Il y a deux autres configurations de travail aussi qu'on aime faire au WorkLab. Il y a la constellation. Là, le principe, c'est que vous positionnez une chaise au centre et vous invitez les participants à se positionner plus ou moins loin de la chaise pour répondre à l'affirmation. Donc, par exemple, je suis extrêmement à l'aise avec les enjeux de l'atelier qu'on va mener aujourd'hui. Si les gens se mettent très proches de la chaise, c'est qu'ils sont complètement à l'aise. Et si les autres se mettent plus loin, c'est qu'ils ne sont pas du tout à l'aise. Et l'idée, c'est que, notamment les extrêmes, s'expriment
pour avoir du coup jaugé son public. Le débat mouvant aussi, on a représenté avec la photo en haut, en bas à droite. Le principe, c'est de poser une question qui invite à vraiment se positionner. Des questions assez en fait, bon, qui invitent à vraiment répondre par oui ou par non, qui ne sont pas si simples en fait. Et on a besoin de l'avis des participants. Donc ils se mettent d'accord, pas d'accord le long de cette ligne-là, hein, de part et d'autre. Et l'idée, c'est que chacun va avoir droit à un seul argument pour justifier son positionnement. Et par contre, dès qu'on entend un argument, on peut changer autant de fois qu'on veut de camp, d'accord ou pas d'accord. Ça aussi, c'est assez puissant. Et les corps, vraiment, représentent, comme la constellation, les idées sont finalement spatialisées à travers les déplacements du corps. Et c'est aussi assez puissant. Dernière configuration qui nous semble aussi intéressante, n'hésitez pas à faire travailler vos collaborateurs au sol. Alors, l'avantage, c'est qu'il y a un effet de surprise parce qu'on investit souvent peu cette partie de nos salles. Il y a un réveil du corps, comme vous pouvez le voir. Une intimité du groupe aussi, qui se sent, en fait, parce qu'on est, voilà, on est entre nous, on est au sol, on est en confidentialité, en fait. On rencontre ça assez souvent. Et puis, ça permet parfois même une prise de recul sur la production, puisque vous pouvez vous lever, hein, pour voir ce qui a été produit. Alors, l'inconvénient principal, bah, c'est que ce n'est pas recommandé pour des publics à mobilité réduite ou difficile, que ça demande de la place au sol. Et, anecdote, mais qui a son importance, que le sol soit propre. Un minimum, en tout cas. Donc, je vous ai remis dans ce tableau récapitulatif l'ensemble des avantages et des inconvénients de ces principales, parce qu'il en existe d'autres, mais qui nous semblaient importantes à montrer, ces principales configurations de travail. Alors, du coup, vous voyez bien que si vous variez les configurations de travail, ben, c'est intéressant d'avoir l'espace qui va faciliter cette variation, notamment des éléments mobiles. Là, sur cette photo-là, c'est des mobiliers donc, qu'on aime particulièrement. Parfois, on n'a pas le choix, hein, du mobilier quand on arrive dans des entreprises au Work Lab. Moi, quand je vois ça, je fais « Oh, super, ça va m'éviter d'avoir mal au dos. » Vous avez ces chaises-là sont super, d'ailleurs. Hein. Il me semble que c'est des chaises Steelcase, mais elles sont très légères. Elles se déplacent facilement et je crois qu'elles s'empilent assez facilement, si je me souviens bien. Et ces tables-là aussi sont toutes basiques. Hein. Alors, il y a plus sexy sur Terre, mais franchement, ça permet vraiment de se déplacer facilement et de ne pas passer plus d'une heure en tant que facilitateur à se faire mal au dos, à se déplacer aussi en démarrage d'atelier. Je vous ai mis d'ailleurs ici une petite checklist, moi, que je me donne du lieu qui, pour moi, d'avoir ces éléments-là dans un atelier permet, quoi qu'il arrive, quelles que soient les configurations, de pouvoir faire un atelier aisément. D'abord, assez d'espace pour le nombre de sous-groupes prévus et la durée de l'atelier. Plus votre atelier est long, plus il faut prévoir d'espace parce que vous allez avoir l'effet bocal à poisson et les gens vont en avoir marre, en fait, de l'espace. Ils vont se sentir un peu suffoqués. La surface suffisante, je vous l'ai mise. Alors, elle vaut en temps de... Alors, il me semble que ça vaut en temps de non-Covid et de Covid aussi. Et c'est vraiment un espace, alors, luxe, hein, mais qui permet de respirer. Hein. Les participants ont besoin de se sentir respirer dans des ateliers collaboratifs et pas d'être les uns sur les autres. D'avoir des murs aussi pour pouvoir afficher si besoin. D'avoir du matériel à disposition de facilitation. Là, vous avez un super outil alors, qui a été élaboré par je ne sais pas qui, mais qui est une espèce d'étagère comme ça, roulante. Vous avez tout le matériel du facilitateur. D'avoir aussi des espaces rassemblés non disséminés. Ça, c'est un petit piège aussi, mais parfois, on nous dit, alors, on va avoir que des petites salles. Et puis, en fait, elles sont sur des étages différents. Attention, warning. Des espaces qui sont disséminés partout, ça vous prend un temps de dingue pour faire passer les gens, les participants d'une salle à une autre. Et même, ils se perdent en général. Des espaces non encombrés. Moi, en général, quand j'arrive dans une salle, je vide en table. Il y a toujours trop de tables. Vraiment, il y a toujours trop de tables. Pourquoi ? Parce qu'en général, c'est des salles qui invitent à écrire, à prendre des notes. Donc, il y a toujours trop de tables. Sauf que là, votre intérêt, dans un atelier collaboratif, c'est moins d'écrire, c'est plutôt de se parler et de se rencontrer. Donc, possibilité de varier les assises et les déplacements. Hein, donc ça, si vous avez différents types d'assises allant du sofa au pouf par terre, moi, j'adore varier comme ça les assises, ça réveille, ça surprend. Et donc, du mobilier mobile, ça, je vous l'ai remis. Alors, on passe à... avant-dernier sujet de ce live, et l'espace numérique dans tout ça. Alors, un truc qui nous semble important, c'est que nous, on s'en rend compte, hein, c'est un vrai retour d'expérience de cette année et demie, on va dire, avec le Covid, c'est que mettez autant de soins dans la préparation de vos espaces à distance, en fait. C'est pas parce que c'est à distance que tout d'un coup, on oublie complètement la notion d'espace. Alors, au Work Lab, et je vais vous montrer des exemples qui sont plutôt sur ce genre de support, on aime travailler avec des outils tableau blanc, type tableau blanc.
Donc, par exemple, Klaxoon, Mural, Miro, etc. Global aussi récemment qu'on a testé, qui permettent en fait de spatialiser et de vraiment être comme si on était sur un vrai tableau blanc. Et là, je vais vous montrer qu'avec un tableau blanc, on peut reproduire plein de configurations qu'on trouve en présentiel. Donc, par exemple, le trip. Donc, le trip chez nous, c'est le temps de réflexion individuel. On aime beaucoup ça au Work Lab, c'est-à-dire quand vous posez une question, que les participants réfléchissent seuls. Bah, par exemple, vous pouvez le reproduire, donc réfléchir seul pour être clair hein, sur son idée avant de s'influencer les uns les autres. Et puis après, on vient restituer sur le panneau central. Donc sur cet exemple-là, on utilise le bateau pirate qu'on aime bien au Work Lab. Vous avez du coup, on a mis des barques qui représentent en fait les espaces individuels. Là, en l'occurrence, on imagine qu'on a 8 participants. Vous pouvez mettre le nom des participants sur les encarts en blanc. Et chacun va avoir son espace pour ne pas s'influencer. On va pouvoir mettre ses post-it qui répondent à la question, et ensuite chacun tour à tour va venir déplacer ses post-it en les centralisant sur le bateau. Vous pouvez aussi faire des cercles de parole. Donc par exemple, là on l'a reproduit, on a même fait une fausse table, hein, et vous avez du coup des bulles où on a mis les gens en cercle. Et l'idée, ben, c'est que là on revient sur un mode cercle de parole, chacun s'exprime tour à tour. Vous pouvez aussi être sur des formats sous-groupes. Là par exemple, je donne un exemple, ça paraît tout petit, mais en fait, c'est vraiment dézoomé. Et là, vous aviez 9 groupes qui étaient à peu près de 8 participants. Donc, je vous laisse imaginer la taille du séminaire. Et en fait, chaque groupe allait dans des sous-salles avec leur système de visio où on les a mis en sous-salle et avait leur espace à eux. Et en dézoomant, on avait du coup la vue d'ensemble produite par 9 groupes. N'hésitez pas à utiliser une grammaire visuelle et à organiser votre espace pour que les gens s'y retrouvent. Parce que qui dit tableau blanc, en fait, nous, en général, on a juste un tableau blanc et on va faire tout l'atelier, voire tout le séminaire sur un même tableau blanc. Donc, l'idée, c'est quand même de faciliter, comme on l'avait vu au démarrage en présentiel, faciliter le déplacement dans l'espace de vos participants. Donc, nous, on a cette grammaire visuelle, par exemple, qu'on utilise. Et voilà des exemples, par exemple, de cheminement qu'on a utilisé dans nos ateliers. Donc, vous avez le système comme ça de petits filets, hein, de petits lacets qui relient les différents moments de votre séminaire. Vous pouvez avoir la flèche, par exemple, hein, qui permet d'aller du coup de gauche à droite. Vous avez ce truc-là. Alors, nous, on s'est amusé aussi à mettre une flèche un peu différemment de bas en haut. Et là, on retrouve du coup, c'était notre gros séminaire, on était vraiment, vraiment nombreux. Donc, on visualise bien et par exemple, on met des numéros beaucoup en général pour que les gens s'y retrouvent et on a les consignes, etc. Donc, voilà concernant l'aménagement de l'espace numérique. L'idée, c'est juste de reprendre les logiques en fait que vous avez dans le présentiel et de vous dire, bah, tiens, comment est-ce que j'ai envie que les participants soient accueillis dans un espace virtuel ? Et c'est pas parce que c'est un espace virtuel qu'on peut pas mettre en place quelque chose d'accueillant. Alors, quelques pièges à éviter ne sont pas hyper nombreux parce qu'on a déjà parlé un petit peu de pas mal d'écueils là depuis. Mais moi, des pièges principaux quand on aménage l'espace, le premier, c'est de ne pas assez anticiper la logistique. Donc, pour ça, Work Lab, on travaille beaucoup avec des déroulés Excel, hein, comme vous le voyez, très sexy. Hein. On a l'heure, la durée, la séquence, l'intervenant quand il y a besoin, le contenu des séquences. Et en face, on va avoir éventuellement ces 3 colonnes, mais au moins configuration dans l'espace et logistique matérielle. Et ça vous permet vraiment, notamment configuration dans l'espace ou configuration de groupe. Nous, ça nous permet de voir, quand on est par exemple sur des groupes nombreux, à quel moment, en tant que prestateur, il y a besoin qu'on aille déplacer du matériel, du mobilier, etc. dans l'espace pour pas oublier. Et vous avez votre checklist aussi matérielle qui permet de ne rien oublier. Deuxième risque, alors ça, on l'a rencontré un nombre incalculable de fois, donc ça c'est un exemple, c'est une photo prise par un de nos ateliers, c'est quand nos clients veulent faire vraiment des ateliers dans des espaces inspirants, donc ils vont dans des vieilles salles ou des salles assez prestigieuses, on peut se dire, statutaires, etc. Donc on est dans des grands et des beaux espaces, mais alors c'est pas du tout adapté. Donc par exemple, les grands et les beaux espaces, comme sur cette photo-là, je sais pas si vous voyez, on a été donc contraints de travailler sur des tables puisqu'il n'y avait pas de mur, il n'y a aucun mur, hein, vous voyez, il n'y a que des fenêtres, et c'est grand. Donc parfois, là ça va, il y a du bois, mais parfois quand c'est de la pierre, il y a un écho assourdissant et c'est une catastrophe. Ça nous est arrivé de presque rater des ateliers comme ça. Ça fatigue tout le monde, ça fatigue les participants, ça fatigue les facilitateurs. Donc faites attention aux beaux et grands espaces qu'on vous propose. Ça c'est bien d'anticiper. Dès le début, on pose, quand on fait les premiers briefs avec nos commanditaires sur les ateliers, on pose la question dès le début pour bien louer les bonnes salles.
Autre exemple, hein, la salle super belle. Donc, vous voyez, on est dans un genre de... Ça ressemble un peu à un café, mais vous voyez que ce n'est pas pratique du tout. Donc, on a quelques vides sur lesquels on a pu mettre des supports. Bon. Et puis, vous avez ces tables-là qui ressemblent à des tables de restaurant qui sont lourdes. Vous voyez qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'espace, que les gens sont les uns sur les autres. Vous voyez que tout le mobilier paraît lourd. Et puis, alors, symboliquement, c'est assez chargé aussi. Ça, faites attention aussi à la symbolique hein, de l'atelier que vous souhaitez créer. Et dernier écueil, eh ben, c'est ne pas prendre assez de temps en démarrage, en arrivant dans la salle avant que l'atelier démarre, pour vous approprier l'espace et pour l'aménager au mieux. Je vous recommande vraiment de ne pas arriver 5 minutes avant, même si vous pensez avoir tout checké dans la salle. Prenez le temps de vous connecter au lieu, de vous poser en fait, de vous habituer en fait à l'espace et pour aménager au mieux, de ne pas le faire en catastrophe. Moi, j'aime bien arriver pour des ateliers 1 heure au moins à l'avance. Vraiment, au moins, pour pas... Parce qu'en fait, il y a toujours des surprises. Avec les lieux, il y a vraiment toujours des surprises. Et comme ça, prendre ce temps pour aménager l'espace, c'est aussi... Ça vous permet de reboucler avec vous ou d'autres facilitateurs le déroulé, de le reparcourir, de faire un refilage et de vous sentir à l'aise, en fait. Et vraiment, de prendre ce temps pour dire, voilà, je m'approprie l'espace pour vraiment accueillir pleinement le groupe. Voilà pour ce live. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça n'a pas été trop rapide pour vous. Et maintenant, place aux questions. Place aux questions, et effectivement, y en a pas mal. Mais avant ça, Margot, puisque j'ai préparé des petits jingles, je vais balancer le petit jingle question-réponse. Alors, comme je le disais, effectivement, pas mal de petites questions, pas forcément tout le temps directement liées à l'aménagement des espaces, mais on va les traiter quand même. Première question de Florence, que je vais afficher à l'écran. Alors, quelle est la durée moyenne d'un exercice pour changer de mouvement pour que les participants restent concentrés? Okay. On répondra à deux, David. Moi, j'aime bien prendre mon temps dans les exercices, Florence. Alors, dans un même exercice, tu peux varier les configurations, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un temps individuel, un temps binôme, qui là peuvent être plus rapides, mais le temps où on se retrouve ensemble va être un petit peu plus long. De manière générale, je préfère me dire que quand on est sur une séquence de travail, pour moi, on a entre 45 minutes et 1h15, 1h30, sur une séquence, en fait. Et là, tu peux varier un petit peu les configurations, quand on est sur l'individuel binôme plus rapide et quand on se retrouve en plénière plus long. Je ne sais pas si ça répond à la question, je ne sais pas si David, toi, tu as d'autres choses. Non, c'est parfait, Margot. Superbe réponse. On va passer à une autre question. Hop. SRAE Nutrition. Pour un atelier en extérieur, quel type de matériel peut être utilisé pour avoir des supports tout de même? Ah, alors, c'est un cas de figure qu'on rencontre assez peu, oui. Hein, l'atelier en extérieur. Mais, Comme je disais, l'atelier en extérieur, c'est l'idéal. Si vous n'êtes pas sur une configuration pour marcher, nous, on ne le fait pas tout le temps parce qu'il faut être super confiant avec la météo. Alors, si vous habitez, je ne sais pas qui pose la question, dans le sud, peut-être que ça peut arriver, mais à Nantes, c'est quand même compliqué. Ça dépend du terrain, quoi. Si vous êtes sur de l'herbe, etc., il y a des tableaux roulants, par exemple. Je sais pas si c'est à ça que vous, en fait, je sais pas à quoi vous pensez. Je vous vois, je tutoie. Quand je sais pas qui c'est, je vous vois. Je suis désolée, là. C'est peut-être confusant. Les panneaux roulants, moi, j'aime bien utiliser des panneaux roulants qui peuvent se déplacer dans l'espace. Mais si vous êtes sur de l'herbe, vous pouvez déplacer vos panneaux, vous mettez des tables, vous pouvez même des nappes de pique-nique si vous voulez. Des cartons de plumes aussi. On utilise parfois les grands cartons de plumes. Vous voyez, ça s'achète dans les magasins d'art créatif. Et il y a plein de tailles différentes. Et c'est très léger, mais c'est solide. Et en général, nous, on les met contre, par exemple, sur des chaises. Et les gens peuvent aller coller, etc. Donc, on recrée un genre de mur qui est un peu penché. Mais voilà, par exemple. On les met sur des chaises ou sur des chevalets qui s'achètent également dans les magasins des loisirs créatifs. C'est vrai que c'est un cas de figure qu'on rencontre assez peu, l'atelier en extérieur, parce que les clients misent un peu sur la sécurité et non sur les aléas météorologiques. Alors, une autre question de l'AMIS. Alors, l'AMIS, pouvez-nous
pardon, je vais y arriver. Pouvons-nous en savoir un peu plus sur la grammaire visuelle? Vous l'affichez à tous les participants, point d'interrogation. Alors, la Miss, non. Là, la grammaire, c'est pour nous, en fait. C'est un, sur Klaxoon, l'avantage, c'est qu'on peut faire des boards partagés sur des networks. Et donc, on a toute une base de grammaire visuelle qu'on a créée ou qu'on allait chercher. Comme ça, ça nous permet de plugger, en fait, ces éléments-là quand on constitue des boards. Des boards sur Klaxoon ou autre. Et la grammaire visuelle, c'est que vous allez l'utiliser pour que les gens se cheminent, en fait, plus facilement sur votre, dans votre espace visuel, virtuel. Je ne sais pas si c'est ça le sens de la question. Par contre, dans l'espace, on va écrire beaucoup de consignes. Et c'est vraiment d'être le plus autoportant possible. Vous allez être là, mais on rajoute énormément de choses écrites et visuelles sur nos panneaux pour que ce soit le plus clair possible. Merci Margot. Autre question, il y en a beaucoup de questions. Hein. En ce moment, quelles sont les prescriptions lors d'un atelier en intérieur? 30 personnes en cercle ou 5 autour d'une table? S'il faut mettre 2 mètres entre chacun, ça fait des distances peu propices aux échanges. Effectivement, c'est un paramètre en ce moment qu'il faut prendre en compte. Alors, même si malheureusement, les ateliers en présentiel, il n'y en a pas beaucoup. Dès lors qu'on on en fait, évidemment, il y a les contraintes ou les règles sanitaires qui font que, oui, on détériore la qualité des interactions parce que les personnes sont éloignées. Donc, c'est directement en lien avec ce que vous présentez, Margot, aujourd'hui, hein, l'importance d'être en proximité pour avoir des échanges qui sont de meilleure qualité, ne serait-ce que d'ailleurs pour le confort auditif, et aussi donc auditif au sein du groupe. Mais plus vous allez éloigner les gens les uns des autres, et plus ils vont devoir parler fort, et ça va détériorer aussi le confort auditif des autres participants. Voilà, donc c'est effectivement, c'est pas aujourd'hui une configuration idéale dans laquelle on est. Et les 30 personnes en cercle avec 2 mètres, j'ai déjà essayé. Hein. Pas 30 personnes, mais même une dizaine. Dizaine encore, ça passe, mais à 2 mètres d'écart, c'est... moi, je ne le fais pas. Je préfère, du coup, là, pour répondre à ta question, Anne, le 5 personnes autour d'une table. Franchement, ce n'est pas l'idéal, hein, cette histoire de Covid et de distanciation pour le côté, effectivement, je reprends, David, ce que tu dis. C'est clairement pas l'idéal. Donc, pour répondre à ta question, je dirais plutôt des petits groupes. Mais pourquoi pas 5 personnes en cercle, Anne? Ouais, 5-6 personnes, hein, c'est la taille idéale. 6 personnes, pour nous, c'est la taille idéale d'un groupe en présentiel. Alors, je vais prendre la question de Philippe. Et donc, et pour l'équipement des salles, outils numériques ou plus classiques, paperboard, post-it, avantages, inconvénients? Alors, est-ce que tu as un avis sur cet aspect équipement? Alors, en question, moi, j'invite à être... je préfère limiter les outils numériques quand on est dans du présentiel. Parce qu'il y a toujours des bugs et j'aime bien que les gens se déplacent. J'aime bien que les choses soient physiques, en fait. Par exemple, le post-it ou l'image, pour pouvoir expliciter notre point de vue, c'est un vrai objet qu'on tient entre les mains. On va se déplacer pour le présenter. Il y a quelque chose d'engageant. Donc, je préfère rester sur du low-tech. Après, c'est mon parti pris aussi. Il n'y a pas d'inconvénient, je connais des très bons facilitateurs qui utilisent des écrans interactifs, donc ça marche aussi. Mais ce que j'aime en tout cas, c'est que les gens se lèvent, qu'ils se déplacent, qu'ils montrent leurs idées. C'est ça, pour moi, qui est important. Je ne sais pas, David, toi, quel est ton point de vue là-dessus? Ouais, je te rejoins complètement. Je trouve que c'est un peu dommage d'utiliser en fait, des outils numériques quand tout le monde est en présentiel. Pour moi, le seul avantage qu'il peut y avoir à ça, c'est de pouvoir générer à la fin un document électronique et de pouvoir l'envoyer très rapidement aux participants. Mais il y a toujours un phénomène avec les outils numériques qui se passe lorsque vous êtes en présentiel ou pas d'ailleurs, mais c'est la prise en main de ces outils-là. Voilà. Et donc, vous passez un temps qui est parfois important à mettre à l'aise les gens avec les outils. Et c'est au détriment, pour moi, des interactions sociales qui devraient avoir lieu lorsqu'on est en présentiel, surtout. Voilà. Donc moi, je suis pareil, je suis du même avis que Margot. Je suis plutôt je suis plutôt en mode low-tech quand il s'agit de faire du présentiel. Juste, David, pour rebondir sur une remarque que tu avais faite à la question précédente sur la taille des groupes. Hein. 4 à 8 personnes, c'est pour des sous-groupes. Hein, Donc, nous, ça nous arrive de bosser à 200, mais vous voyez qu'il faut beaucoup d'espace pour avoir beaucoup de sous-groupes. Voilà. Tout à fait, Margot. Merci de la précision. Et d'ailleurs, j'en profite pour t'envoyer une petite vitamine mentale
de Claire. C'est la première fois que j'entends Margot. Super découverte. Un grand merci à elle. Elle est très inspirante. Voilà. Merci. Ça fait toujours du bien. Merci. Alors, quelle est l'importance de la musique pour dynamiser, faire des coupures? Alors, Aleki, je crois. Ouais, c'est assez important. Alors, là, ça dépend vachement des facilitateurs. Au Worklab, on s'est même amusé à faire un compte Deezer partagé et on a créé des playlists. En général, quand les facilitateurs aiment utiliser de la musique, on vous recommande de faire des playlists par rapport au rythme, on va dire, des musiques. Donc, on a du low, nous, on appelle ça low facilitation. Qu'est-ce qu'on a, fast facilitation, je crois qu'on a trois niveaux, David, hein, de rapidité de musique. Donc par exemple, quand vous voulez que les gens soient accueillis, voilà, ça va être plutôt jazzy. Donc il y a des playlists sur YouTube, morning jazz, café, des trucs, voilà, c'est mes mots-clés à moi. Donc les gens sont accueillis dans quelque chose de plus tranquille, parce que dès le matin par exemple, en arrivant avec son café, avoir du truc hyper speed, voilà, ça peut être intéressant pour faire des coupures, effectivement, même ça s'utilise pour faire la gestion des temps. Par exemple, dans les World Café, c'est particulièrement utilisé quand vous voulez que les gens arrêtent de parler. Donc, vous avez une musique en fond, tranquille. Et quand vous dites stop, passez à une autre table, au lieu de crier, vous augmentez le son de la musique jusqu'à ce que ce soit compliqué de continuer à discuter à sa table. Et vous mettez une petite musique, genre la musique classique qui marche bien, c'est Happy de... Comment il s'appelle, David ? Pharrell Williams. Voilà, merci. Celle-là, elle fonctionne bien. Bon, il n'y a pas que celle-là parce qu'elle est beaucoup utilisée, mais ce genre de musique. Et là, les gens, du coup, c'est cool parce qu'ils se lèvent, ils arrêtent de parler, mais c'est cool, quoi. Ils se lèvent et ils dansent un petit peu et ça décontracte vachement l'atmosphère. Donc, ça, c'est à vous de voir. Moi, j'aime bien laisser des moments de silence aussi, parfois. Il y a des facilitateurs pas à l'aise avec les silences, mais même les temps de réflexion individuelle, j'aime plutôt les faire en silence. Mais voilà, ça dépend de chaque facilitateur. Alors, j'ai passé quelques questions, je suis désolé, j'en ai pris une là. Quantum Manager, comment redonner du sens à ces espaces de facilitation, aux espaces collaboratifs dans cette période de confinement où le télétravail amène peu de fréquentation? Une question de management, ça, non? Un peu, ouais. Je vais pas forcément. Alors, c'est un petit peu dans un sujet un peu en périphérie, hein, du sujet actuel qu'on présente aujourd'hui, mais il y a des articles, hein, qui sont sortis qui montrent que la crise du Covid a révélé des crises de collectif, et notamment sur le sens que les gens trouvaient à se réunir. Donc, pour répondre à votre question, Quantim, je dirais plutôt quel est le sens que peuvent trouver les gens encore maintenant de ce collectif à se réunir et à se retrouver en présentiel? Et pourquoi pas faire un atelier collectif là-dessus d'ailleurs? À quelles conditions? Qu'est-ce qui nous paraît encore essentiel de vivre ensemble en présentiel et qui nécessite qu'on soit sur les lieux? Et pour moi, c'est plutôt ça la question. C'est que les gens, il y a une histoire de redonner du sens et refaire prendre conscience ou recréer du sens peut-être au fait d'être ensemble dans un lieu. Je ne sais pas, David, si c'est plutôt des questions de management. Oui, oui. Ça rebondit sur le point que tu évoquais sur l'importance de prendre aussi en compte la notion d'espace dans le digital. Voilà. Non, c'est un peu peut-être à côté de la question posée, mais j'en profite quand même pour redire ça. C'est très important de redonner du sens à la notion d'espace, quand bien même on se trouve en digital, et de façon à ce que les personnes aient le sentiment de se rejoindre pratiquement dans une salle qu'on a aménagée spécifiquement pour eux, qu'on dédie pour eux, et dans lesquelles, voilà, ils peuvent évoluer et circuler comme si, entre guillemets, ils le faisaient dans un espace physique. Voilà. Ça permet de reproduire cette notion de groupe qui est très importante. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Tac, tac, tac. Alors, effectivement, hein, sur je reviens sur le point concernant les outils numériques qui peuvent être évidemment utilisés en présentiel. Hein. D'ailleurs, un cas de figure... nous aussi, évidemment, aussi on le fait, hein, c'est lorsqu'il s'agit d'animer des grands, grands groupes où on va pouvoir, grâce à des outils de quiz, notamment de sondage, dynamiser une présentation descendante. Donc voilà. Donc, en revanche, moi, je suis plus réservé quand il s'agit d'animer un groupe en mode
en mode vraiment facilité, un groupe de 10 à 12 personnes, voilà, je vais plutôt privilégier de l'utilisation de posters d'animation, de post-it, etc. Mais des choses physiques, hein, de façon à ce que les gens aussi, il y a cette notion très importante qui est de faire réfléchir les gens avec leurs mains. Hein. Donc, c'est aussi très important. On aurait pu d'ailleurs, Margot, peut-être en parler. On peut parler de plein de choses, hein, vous voyez bien, mais c'est une notion très importante de faire réfléchir les gens avec leurs mains. Leurs mains et leur corps. Ouais. Il y a une pratique qui s'appelle le body storming d'ailleurs. Oui. Hop. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tac, tac, je regarde, je fais défiler. Est-ce que j'en ai passé tout à l'heure? Bonjour. Alors. Bonjour. Y a-t-il une configuration idéale pour la séquence présentation des participants? Je trouve ce moment toujours un peu stressant. Oui. Ça peut être intéressant de voir Emma, je ne sais pas trop, Emmanet, pourquoi c'est stressant pour toi, alors, parce que, enfin voilà, déjà c'est intéressant de voir quand on n'est pas à l'aise sur certaines séquences, qu'est-ce qui se passe chez nous, en fait, pour déjà toi, réfléchir, bah tiens, c'est quoi la configuration qui me permettrait de me déstresser, ou l'exercice. Au-delà de la configuration, il y a aussi une pratique, hein, dans ce que j'entends, quelle pratique choisir. Ça dépend aussi de la taille de groupe. Moi, j'aime bien que les gens soient en cercle à ce moment-là, mais ça peut être autour d'une table aussi. Mais j'aime bien en profiter pour créer vraiment ce cadre de cohésion en fait entre nous, en étant en cercle, assis ou debout. Et bah, du coup, il y a des temps d'inclusion assez variés, hein, que les gens se présentent. Moi, j'aime bien que les gens se présentent à travers une image, à travers... souvent une image, moi j'aime bien faire ça, se positionner par rapport aux enjeux de l'atelier, raconter une anecdote sur soi, choisir une image qui représente notre état d'esprit de maintenant. Il y a des questions de pratique. Dans ce que j'entends, il y a des questions de pratique et des questions de configuration. Mais par exemple, si tu n'es pas à l'aise pour la configuration en cercle, déjà, essaie d'adapter la configuration pour que toi, tu sois à l'aise. Ce que je vous disais, hein, vous êtes d'abord le premier hôte du groupe, c'est vous. Si vous n'êtes pas à l'aise dans les pratiques que vous proposez, dans les configurations, etc., ça ne va pas le faire et le groupe, il va le sentir. Enfin, ça ne va pas le faire. En tout cas, le groupe peut le sentir. L'idée, c'est d'abord que vous soyez super à l'aise, vous invitez chez vous, vous êtes confortablement positionné, habillé, vous avez mangé, vous avez bu, vous êtes bien en forme. Et donc, la configuration, bah, c'est celle qui va aussi vous parler, vous. David, tu as des choses à ajouter Non, non, je te laisse répondre. C'est ton moment, c'est ton live. Et puis, on va bientôt conclure. Juste avant ça, Margot, je te propose d'afficher la plaquette de la formation, approfondir sa pratique de la facilitation, peut-être dire quelques mots. Oui, alors là, on est sur un sujet un peu annexe qui n'est pas traité sur le format actuel, mais qui le sera bientôt quand on sortira un e-learning sur le sujet des espaces. Dans cette formation de 2 jours plus 1 jour, donc 3 jours au total, l'objectif, c'est d'aller un cran plus loin dans sa pratique de la facilitation, et c'est très centré sur la posture, en fait. Donc, on est sur des choses sur l'écoute du facilitateur, le questionnement, les questions puissantes. On a toute une liste aussi de questions puissantes qu'on fournit. On a des choses sur la gestion des perturbations qui arrivent tout le temps en atelier, comment on adapte et puis comment on gère en live aussi les personnalités parfois difficiles. On a aussi des choses autour de l'éthique du facilitateur, de l'auto-positionnement dans sa posture de facilitateur aussi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire vivre, quel type de facilitateur j'ai envie d'incarner par rapport à mes valeurs, qui je suis, etc. Et on a des temps de ce qu'on appelle de supervision, où collectivement, en fait, certains parmi les participants passent et animent des séquences auprès du groupe, et on fait un débrief à 360. Il n'y a rien de mieux que d'analyser un petit peu en live nos facilitations dans un cadre, bien sûr, de bienveillance totale. Et l'objectif, c'est de donner des petits tips pour s'améliorer. Donc, cette formation, aujourd'hui, on va la jouer en inter, d'ailleurs, prochainement sur Nantes, pour ceux que ça intéresse. Il y a encore des places disponibles en juin. Et on affichera prochainement les dates pour la rentrée qui seront à Nantes et à Paris. Donc, elle a déjà été jouée plusieurs fois. On a des retours assez chouettes. Voilà, donc c'est pour des personnes qui ont déjà quand même un petit peu d'expérience dans la facilitation, en tout cas qui ne débarquent pas, parce que l'idée, c'est d'avoir un minimum de top et de flop pour pouvoir prendre du recul sur cette facilitation. Et les flops sont les bienvenus.
Merci Margot, merci pour cette présentation. Merci à vous de votre présence. Et puis, écoutez, on va vous laisser filer. Nous, on va continuer notre après-midi. On va manger, non? Est-ce que tu as mangé, Margot? Encore. Donc, on vous souhaite une excellente après-midi. Et puis, rendez-vous le mois prochain pour un nouveau live qui, je crois, sera dédié au management à distance. Voilà, c'est un sujet qu'on nous a beaucoup demandé, qu'on commence à traiter de manière beaucoup plus intense depuis quelques semaines. Et puis, dans les mois à venir, on va certainement œuvrer sur ce sujet-là. Il y a énormément de demandes. Ça va de pair, évidemment, avec l'animation de temps collectif à distance qu'on a déjà traité et sur lequel on a développé une vraie expertise. Pour l'outil de live qu'on utilise aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec un Zoom, ça n'a rien à voir avec un Teams, c'est un outil de streaming qu'utilisent les YouTubeurs. Voilà, on est des YouTubeurs. et donc, il s'appelle StreamYard, qui permet de faire un peu de réalisation vidéo, comme vous avez pu vous en rendre compte. Et justement, pour conclure ce petit live, eh bien, je vais lancer le générique de fin et je vais vous souhaiter une bonne après-midi. Bonne après-midi, Margot. Bonne après-midi. Et à bientôt. Au revoir.